C'est par un hommage aux disparus qui ont sacrifié leur vie que les premiers jours du défilé du 49e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale a commencé. Viendra ensuite la revue des troupes par le président Boni Yayi et enfin le défilé tant attendu. Plus de 30 corps armés ont martelé successivement l'espace réservé à ce moment de communion et de réjouissance nationale. Leaders politiques, présidents d'institutions, autorités politico-administratives, personne n'a voulu se faire compter l'événement. Riche en mobilisation et organisé jusqu'au moindre détail, ce défilé laisse une impression globalement satisfaisante. Les civils ont appuyé l'événement et je pense que c'est une bonne chose. Cela veut dire que, et civils et militaires, nous nous retrouvons pour faire passer une bonne fête. Je crois que c'est une excellente chose. C'est une bonne édition avec un défilé militaire impeccable qui a duré 1h40. Le défilé militaire et le reste a suivi, avec des équipements vraiment modernes qui rassurent le pays. J'éprouve toujours une réelle émotion quand je vois passer les jeunes filles de Natitingou et les jeunes garçons de Bembereke. J'en éprouve toujours une réelle émotion. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé depuis quand moi je suis né. Je n'ai jamais vu ça ici à Lokossa. Et cette fois-ci, c'est arrivé chez nous et il faut qu'on soit content. Et on est tellement content pour cette affaire. L'après-midi du 1er août sera consacré à la finale de la Coupe de l'Indépendance. L'association sportive du port autonome de Cotonou croisera les crampons avec l'Union sportive des cheminots. À l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but, le meilleur l'emportera. L'association sportive du port autonome de Cotonou emporte donc le trophée et une enveloppe de 1 500 000 francs.